Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans Doom, le remake, pour avancer dans ce coin, ma foi, moins sympathique que le reste de Kadim Gear Sanctum. Voilà, bon, c'est temporaire, on va dire, j'espère. J'espère. Olivia Pierce, ça va être intéressant. Olivia Pierce, c'est la directrice des recherches biochimiques de la station Argent. Diplômée cum laude de Strasbourg en biomécanique et génétique, elle rejoint son ancien mentor Samuel Hayden sur Mars pour prendre la direction du projet Lazarus. Quelques mois après son arrivée, on lui diagnostique une scoliose idiopathique aiguë dont la cause restait inconnue. Il lui fallut choisir entre la chaise roulante et une procédure expérimentale pour laquelle elle opta. Après plusieurs mois d'isolement, Olivia réapparut, debout, équipée d'un exosquelette en titane relié à sa colonne vertébrale. S'il lui permettait de se déplacer librement, l'équipement était également source d'atroces douleurs. Olivia refuse néanmoins tout traitement médicamenteux, craignant ses effets secondaires sur son travail. Je souffre pour elle. Véritablement, je souffre pour elle. Ça me fait très mal, la pauvre. Diantre, faut que j'aille où? On va essayer de passer par là. J'ai peur. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Toi, tu vas mourir. J'ai pris des trucs un peu gros là. Oh, 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 on se calme. Ah, je me suis fait coincer dans le coin. Aïe, je suis dans le néant en plus. Je suis vraiment dans le néant quasiment. Ok. On va prendre une arme puissante du coup. Dès qu'on se pose là, on se fait massacrer plutôt sérieusement. Ouais, mais ça c'est trop puissant. Ça c'est pas mal ça. C'est ce que j'avais, non? Oh, à point visé! Ça suffit là. J'en ai un. Je monte. Je bouge. Je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge. Faut pas que je me. Faut pas que je m'arrête. Faut que je me les fasse en bougeant. Alors, ça fait quoi d'avoir un bras en moins? Espèce de gros méchant. Petit, là, tu meurs. Je dis que je commençais par celui-là, je commence par celui-là. Point bas. Ah! F! Boum! Je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge. F! Pas que je m'arrête. Meurs! Le grand dadé, tu meurs. Hop là, voilà. Boum! Troisième grand dadé, tu meurs. Pas de quartier. Ah! Salut! Hef! Ah! Alors là, j'étais. Oh, impuissante. Bref. Ok, donc on va monter dans les armes, hein, progressivement. On va rester avec une arme petite, voilà, pour monter
progressivement en fonction de là où il faut que nous allions. Bon là c'est un chiant mais c'est pas un dur. Là pareil. Là, il y en a des plus durs qui vont apparaître. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, ça c'est bon, on va faire ça. Ok, celui-là est mort. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Okay. Oh oh oh. Oh, je me fais choper par les petits là. Oh 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 oh. Donne-moi ta vie. J'ai pas beaucoup de vie d'avance. Pourtant, je vais en avoir besoin. Où est-ce qu'il y a de la vie? Où est-ce qu'il y aurait de la vie? On peut peut-être rester avec ça pour eux. Où est-ce que je pourrais avoir de la vie? Ah, je sais pas ce que ça fait ça, mais je vais le prendre, ça me sera peut-être utile. Ok, on passe à ça. F. Oh, j'avais jamais eu cette mort-là. Encore. J'aime encore. Il va exploser, il va mourir. Voilà. Prends ça. F. La santé basse, mais il va me rendre sa santé. Bouge. Je vais me faire celui-là, bordel de zut. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Remontre, remontre. Ah, il y a quelque chose là. Je peux l'avoir le... Ah. Oui, j'ai pu l'avoir et puis soudain, j'ai chuté dans le néant. Je voudrais plus puissant encore. Une corne. Est-ce que t'as une corne plus jolie que celle de ton pote? Non. Non. J'aurais dû me décaler. Bon, c'est pas grave. On va le faire, on va le faire. On va y arriver. Alors. Alors. On recommence. pas gentil. Pas gentil jeu. Bon, remarque, ce serait pas marrant sinon. Allez. F. Il est où? Il est où l'emmerdant là? Il est là. Mais il crève pas? Mais c'est qu'il crève pas celui-là? Je dirais que j'allais pas réussir à me le faire. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah. J'ai vu qu'il y avait de la santé en haut. J'ai rêvé ou bien... F. Donne-moi ta vie, donne-moi ta santé, tout ça, tout ça. Voilà, ce sera fait. Oh, 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 oh. 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 Mes 90 points de vie, là, ça me plaît pas trop. Je bouge mes fesses, puis celui avec la... Pas que, il est où? Il est où, l'autre? Il y en a un qui m'en kikine, je sais pas où il est. Oh, oh, oh. J'étais en train de me faire ton copain tranquillement.
Ok. C'est toi là qui m'enquiquine là. Depuis plusieurs heures. Plusieurs heures. Bon, j'exagère un peu en disant plusieurs heures, mais c'est pas grave. Vous m'aurez comprise. On se barre. Les gros vont me faire du mal. On retourne en bas. Par là. Je reprends plus gros, bien plus gros. On remonte. La vie, c'est pas de la vie. La déception, ça par contre c'est de la vie qui part. F. J'ai eu un, j'ai eu sa vie. Il est où le deuxième? Ah. Oh non, je suis nul. Je suis naze, c'est nul ce que j'ai fait. En plus je suis sûre il y a un point de passage après celui-là. Ok. Tac. J'ai trop voulu le tuer en fait. Il aurait fallu que. Non, on va prendre celui-là dès le début. Comme ça, on évitera de prendre des dégâts gratuits sur les premiers. Ce sera déjà ça. Bon, on essaiera d'éviter les dégâts gratuits sur les premiers, si vous voyez ce que je veux dire. Il est là-haut et il me casse déjà les couilles celui-là. Il est où? Voilà. Déjà, toi... Non, il y a toi aussi. Voilà. Déjà, ça, faut que je m'en débarrasse. Tant que c'est seulement eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens? Pas les escaliers, ok? Ok, concentration. F. Ok. Ils sont où? On va se faire avec ça. On va se faire ça aussi. Ok. Ils sont où là? Ils sont où les méchants? Il y en a un là. Ah! Point de passage atteint. Bah voilà. Ça fait du bien quand ils sont tous morts. Allez, on continue. On monte. On prend les munitions. Puis on se soigne aussi, si possible. C'est pas ça que je veux. Ouais, c'est ça que je veux. Là, il y a ça. Ok, bah je suis déjà foulant ça. On monte. On suit les trucs verts. Hop. Voilà. Oh. Retournez. Oh non.
Oh non, c'est... Non, 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 j'ai trouvé le temple. Oh, mais je serais bien restée dans le Kadingir Sanctum. J'ai pas très envie de retourner sur Mars. Je suis, comment dire, plus motivée pour... Eh, mais c'est les boîtes à trucs qui s'ouvrent et qui nous donnent des plus, là. Oh non! Bon bah, on n'a pas trop le choix. Bon. C'est dommage. C'est dommage, je serais vraiment bien volontiers restée ici. Bon bah, c'est fini pour le Kadingir Sanctum. On a eu deux secrets. C'est pas trop mal. Ah, oh, mais ce qu'il y a des fuites, ça me fait une belle jambe. Effectuer clin d'œil, une belle jambe sur la lame de l'enfer. Attaquer la jambe droite. D'accord. Je savais pas. Épreuve runique, oui, bah oui, du coup, oui. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, les défis, on s'en fiche un peu dans le fond. Ça donne des petits bonus, quoi. C'est vraiment. Vous avez combattu en enfer et avez réussi à en revenir, mais les démons ont débarqué sur Mars. Trouve un moyen de fermer le portail vers l'enfer créé par Olivia. On va la tuer, cette Olivia, oui ou non? Oui, enfer sur Mars. Mais j'aimais bien le Kadingir Sanctum. Je serais bien restée. Voilà, je suis contente, je suis revenue. La tour argent est détruite. Oh. Le portail ne ça a une peut plus sacrée être tête. fermé de ce côté. L'énergie infernale provient d'une région de leur monde que nous appelons Tui. Mais vous êtes là. Le Oh. seul être de chair et de sang a passé d'une dimension à l'autre. Il y a donc peut-être une solution. Ouais. Vega tente d'accéder au fichier d'Olivia. Rendez-vous au terminal le plus proche. Nous vous fournirons des informations. Ce sera tout. Ce sera tout, ouais. Rien que ça. Monstre, baron, enfin là-bas, on a déjà pris. On a déjà pris. Ok, bon, bah. On va remonter du coup. Attends, je vais pas me plaindre, hein. C'est le principe de Doom d'aller en enfer, de rester chez soi, puis de revenir en enfer. C'est le principe même, donc. Ce serait pas Doom sinon, mais bon, quand même. J'étais. Ah, coucou! J'étais vraiment bien en enfer. Donc je monte? Je monte? Je monte? Le ciel est rouge. J'ai peur des ciels rouges. Ça, c'est des réminiscences de Doom aussi. Ah! Ok, c'est bien. Je vais où? Ok. Très bien. Point de passage atteint. Pourquoi j'aurais pu tomber? C'est un peu loin là, vous croyez pas, non? J'espère vraiment que je saute ça, ok. C'est pour ça qu'il y a un point de passage, c'est au cas où les gens soient débiles au point d'essayer. Non, très bien, fallait vraiment faire ça. Ok, je peux toujours pas rentrer. Coucou. Je suis censée me laisser tomber ou bien. Ouais. Je crois. Ok. Je fais quoi maintenant? Ok. Ah, bien. C'est cool ça. L'armure de jeton prêt. Dis donc, fallait pas que je jette un coup d'œil à mon armure marchand truc là ou bien ah oui, si peut-être. Résistance à l'environnement, technologie de cartographie, système d'équipement, le temps de recharge, efficacité des pouvoirs. C'est quoi mes pouvoirs? Choc initial lorsqu'un pouvoir se dissipe, une explosion de. Comment je reviens en arrière? Comme ça. Dextérité. Ah, ça fait quoi, dextérité?
Change plus rapidement d'arme. Ah, remarque. Et ça me fait quoi mon troisième truc? Les aimants d'exploration apparaissent automatiquement sur la carte. Je prendrais bien ça, ouais. Acheter, voilà. Ça c'est, on a tout. Résistance à l'environnement. Immunité aux dégâts des barils explosifs. Ah bah c'est super, voilà. Ça c'est des trucs utiles. Voilà. Ah bah j'ai changé d'arme sans faire exprès. Oh. Et je peux pas aller. Ah bah oui, j'étais dans l'autre sens, je suis débile. Je m'étais remise dans le bon sens. Pardon, excusez-moi. Ok, ça ne fait rien. Oh, de la bouillie de personnes ou de monstres. De je ne sais quoi. Ça c'est bien ça. Ah, ah, un petit quelque chose. Environnement, station argent, est-ce que... En cas de contamination démoniaque de niveau 3, il est crucial de garder son calme. Un défenseur de classe 3 ne paniquerait pas. Faites comme lui! Nous avons un proverbe au laboratoire Lazarus. Qui veut le job, fait le job. Alors calmez-vous, réfléchissez et agissez comme un défenseur de classe 3. Suivez ces étapes. 1. Essayez de rejoindre un champ de force de sécurité d'urgence ou une porte renforcée. Ne pas courir. Certains de nos visiteurs transdimensionnels sont sensibles au mouvement. 2. Désactivez tout équipement volatile. Si vous ne parvenez pas à échapper aux démons, il est important de ne pas abandonner une scie à plasma en marche à proximité d'un équipement vital à la communauté. 3. Si vous êtes piégé et que vous avez épuisé votre équipement, rendez-vous sans violence. Des études ont montré que les tentatives de fuite tendent à susciter une frustration supplémentaire chez le prédateur qui risque de se traduire par une mutilation excessive du corps de la victime, le rendant impropre à un examen post-mortem. Agenouillez-vous, fermez les yeux et attendez. Souvenez-vous, vous pouvez être utile, aussi utile, mort que vivant. Ok, les jeux de Shinmoku sont de nouveau disponibles alors que Shinmoku est en cours. C'est magique, Steam. Très bien, bref. Ok, sas verrouillé. Oh mais je peux pas déverrouiller le sas, coucou. Ah non, j'avais vraiment un truc à faire avec ça. Avec ça, ok. Nous étudions depuis des années un artefact qu'Olivia garde dans son labo privé. Il vous donnera les réponses que vous cherchez. Il porte votre marque. Ma marque ? Le laboratoire personnel d'Olivia ne figure pas dans la base de données des installations officielles. Il vous faudra une autorisation alpha pour le situer. Accordé. Vous accéderez à son site Lazarus depuis le secteur nord du complexe de recherches avancées, à 80 km d'ici. Je vais réactiver le tram pour vous y conduire, mais il vous faudra la carte officielle pour le démarrer. Vous trouverez un poste de sécurité à côté d'ici. Ok, donc on va chercher la carte officielle. Pour démarrer le truc, ok. On se laissera au prochain point de bataille. Waouh! Oh! Bonjour, bonjour! Ok! Toi, t'es pas gentil avec moi. Ah, oh! Bam! Jambe droite. Je crois pas que c'est vrai que c'est ça. Je sais pas. Boum. Ok, il est déjà mort. Munition faible. On va changer d'arme, on va pas non plus prendre les gros trucs, on va pas prendre les trucs. Eh, coucou-toi. Un petit soleil! Voilà, voilà! Oh, tu m'as mangé! Fais voir comment tu m'as tué! Oh, tu m'as coupé en deux! Oh, c'est trop mignon! Ah! Bah, lui, il peut nous manger, lui! J'aime beaucoup les soleils! J'aime beaucoup les soleils, vraiment, ils sont trop, trop choupinots! Ok, faut que je fasse ça! Ok! C'est vrai qu'il y a des petits au début, donc on va prendre le truc des petits. Ok, un, deux. Boum. Pour les petits, on prend les trucs des petits.
Après, on décale et on prend plus gros. Ah, ça c'est un chien, alors je le fais avec ça. Ah! Alors celui avec son laser là en haut à gauche, il me casse un peu les pieds. Hop! Et il va me casser plus que les pieds. Et pareil. Et j'aime le faire avant qu'il m'énerve pour de vrai. On va se faire le gros. On va changer. Il est mort. Apparemment on a des problèmes de munitions. On va changer et prendre plus gros. Ouais, ils sont assez puissants quand même. Ah ah hop. Voilà. Santé basse mais santé récupérée. Ah bon, écoutez, si ça peut nous sauver la vie, pourquoi pas. Point de passage atteint. Voilà, du coup j'avais dit que nous nous laisserions au prochain moment de passage. Et c'est ce que nous allons faire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour trouver le tram. Portez-vous bien d'ici là. A bientôt.